On va retrouver Jean et son invité pour nous dire comment on peut aujourd'hui compter les poissons dans la mer grâce à la génétique. Oui, nous rejoignons mon invité en déplacement en Allemagne et plus exactement à Göppingen. Bonjour Verena Trenkel. Bonjour. Bonjour, alors j'espère que je n'ai pas écorché le nom de la ville. Vous êtes chercheuse à l'IFREMER, recherche pour l'exploration de la mer. Alors, grâce à cette émission, j'espère que vous l'aurez compris, les stocks de poissons ne sont pas infinis. Il est donc essentiel de connaître l'état et de comprendre l'évolution des ressources de poissons pour assurer le maintien et préserver la biodiversité et la pêche. Et ça, c'est tout l'enjeu de vos travaux de recherche, Verena. Alors, dans votre étude, vous vous intéressez à une espèce bien précise, la raie bouclée. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est une espèce, c'est un contrechien, donc ça, elle fait partie d'espèces qui sont assez vulnérables à la pêche. Et en même temps, c'est une espèce pour laquelle on n'a actuellement pas beaucoup d'informations à fournir pour permettre vraiment une gestion durable basée sur des informations qu'on peut considérer fiables. D'accord. Alors aujourd'hui, il existe deux techniques pour compter les poissons, mais il y en a une qui n'est pas adapté du tout pour compter justement la raie bouclée. Pourquoi ça ? Notre méthode dite traditionnelle, en fait, de compter, on ne compte pas vraiment, sauf qu'on compte quand même, parce qu'elle consiste à aller en mer, un peu comme Tara, sauf que nous, on pêche avec Thalassa, voilà, le chalut part à l'eau, il revient et on va compter le nombre de poissons qu'on va trouver à bord. Et là, vous avez vu sur un occlogramme les poissons dans l'eau. Donc, notre méthode de comptage, la première, c'est de compter ce qu'on remonte avec un chalut. Sauf que des espèces comme la raie bouclée ne sont pas assez nombreux pour qu'on pêche beaucoup d'individus. Parce qu'ensuite, la deuxième étape, c'est d'utiliser le nombre de poissons qu'on aura pêchés, comme voilà, une à bord, et on extrapole ce nombre à la surface du golfe de Gascogne, donc à une grande zone. Donc en fait, d'extrapoler le nombre, par exemple, si on a vu 5 individus sur tout le golfe, ça n'a pas de sens, c'est pas précis. Voilà, c'est pour ça que cette méthode, elle n'est pas adaptée pour des espèces qui sont rares. D'accord, ça induit trop d'erreurs dans le calcul, dans l'estimation de la population. D'accord. C'est exactement ça. Alors, c'est pour ça que vous avez utilisé donc une nouvelle technique qui est basée sur la génétique pour estimer le nombre de raies bouclées. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette technique ? Oui, alors je vais prendre un exemple. Si vous allez à Paris et vous prenez deux personnes, un adulte et un enfant, et vous... par un test génétique, vous déterminez si les deux sont père ou mère et enfant. À Paris, si vous prenez deux individus, la probabilité que les deux sont effectivement parents et enfants est très très faible. Par contre, vous allez dans un petit village quelque part, vous faites la même chose, la probabilité est beaucoup plus élevée de trouver deux individus qui sont apparentés. On appelle ça comme ça. Du coup, en fait, la méthode, elle consiste à, pour un certain nombre d'individus, de déterminer grâce à la génétique si les deux individus sont apparentés. Et donc, ça donne le nombre de couples parmi l'échantillon. Donc, par exemple, nous, on avait regardé plus de 7000 individus. On avait trouvé 91 couples d'adultes et juvéniles qui étaient apparentés. Et grâce à ce chiffre, on a pu déterminer le nombre d'adultes de raies bouclées dans le golfe de Gascogne. D'accord, donc c'est plus précis. Et en fait, vous retracez la généalogie des poissons à partir des prélèvements que vous faites, si je comprends bien. Exactement, c'est exactement ça. La base est un test de parenté qui est fait et après sur cette base-là, on va estimer le nombre total d'individus qui se sont reproduits parce que ça nous permet de dire ça c'est les individus, le nombre de parents en fait qui a eu l'année où le petit est né. Très bien. Alors pour faire ça, donc vous utilisez des petits morceaux d'ADN. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, ça ressemble beaucoup à ce qui a été expliqué en début d'émission, parce que
au lieu d'aller prendre dans l'eau, nous, on va aller échantillonner des individus directement. On prend un bout de tissu et après, en fait, c'est la même chose. L'ADN est découpé et on fait un génotypage sur un certain nombre d'endroits du génome. Et c'est pareil, on va regarder quel pattern a un individu. Et ce pattern-là, on va le comparer entre individus pour déterminer lesquels sont apparentés. Parce que, en fait, la base de ça, c'est comme chaque enfant a la moitié de son génome de son père et la moitié de sa mère, bah, la moitié du génome doit être pareil si c'est vraiment le père ou la mère. Et donc, il suffit de regarder à certains endroits, on ne regarde absolument pas tout le génome. On regarde un certain nombre d'endroits sur le génome et ça suffit pour être sûr qu'effectivement, les deux individus sont père et enfant. D'accord, donc c'est des séquences, qui sont, des séquences que vous avez déjà déterminées à l'avance et vous allez chercher précisément ça, voir si on le retrouve entre les différents individus, les différents échantillons que vous avez faits. Très bien. Oui, effectivement, c'est ça. Alors, vous avez déjà pu obtenir une estimation de la population de raies bouclées. Comment se porte la population à partir de ces estimations? Alors, on a estimé qu'il y aurait environ 400 000 adultes de raies bouclées dans le golfe de Gascogne. Il faut savoir, c'est une espèce, comme j'ai dit au début, qui est fragile par rapport à une exploitation. Ce niveau-là, il peut encore augmenter, mais depuis un certain nombre d'années, la gestion de la pêche a été mise en place de ces espèces et elle commence déjà à remonter, mais je pense pour arriver à des niveaux vraiment soutenables dans la durée, la population peut encore ou doit encore augmenter. D'accord. Alors, ces informations donc, nous informent sur la taille de la population, sur le nombre d'individus à peu près, mais ça nous renseigne aussi sur leur comportement. On apprend aussi de nouvelles choses. Qu'est-ce que vous avez appris à partir de ces résultats-là? Oui, en fait, on a appris des choses qu'on ne soupçonnait pas du tout. Parce que si on regarde maintenant les individus qui sont apparentés, et dans ce cas-là, on n'a pas uniquement regardé les pans, on a aussi regardé tantes, neveux, demi-frères, et on regarde où est-ce que sont les couples qu'on a identifiés, donc où est-ce qu'ils étaient pêchés dans la mer, donc ça veut dire où est-ce qu'étaient leurs lieux, les lieux de vie, et on a réalisé qu'en fait, ce qu'on croyait une population assez homogène, en fait, elle est structurée spatialement, parce que même si c'est une espèce qui va devenir jusqu'à 1,20 m, elle ne bouge pas beaucoup, en fait. Et en plus, elle fait partie des espèces qui n'émettent pas des œufs dans l'eau. Par contre, la femelle, elle va mettre un œuf dans une capsule qu'elle va coller au fond. Le petit, après 6 mois, il va sortir de ça et en fait on réalise il va pas très loin, il reste en fait là où il est né pratiquement, autour quelques kilomètres, donc ça nous a par exemple informé là-dessus, quelque chose qu'on soupçonnait pas du tout. D'accord, donc c'est des espèces pas très aventureuses, elles restent plutôt dans leur confort localement. Et un peu dans le clan familial, en fait, les familles sont assez proches des individus, assez proches des uns des autres. D'accord. Alors, l'objectif final de ces travaux, c'est quand même que les décisions au niveau européen soient prises pour protéger les réserves de poissons. À quelle décision pourraient aboutir justement ces travaux de recherche? En fait, l'objectif, c'est que donc, ce chiffre qui est la taille de la population sert à déterminer les quotas de pêche. Parce que c'est sur la base de combien d'individus il y a et ensuite comment ce nombre évolue dans le temps, que les scientifiques vont faire des propositions de quotas de pêche, donc du nombre ou de biomasse, de quantité on peut pêcher sans mettre en péril la population. Et au niveau européen, après ce chiffre, il va à Bruxelles et c'est une décision politique. Mais à la base, en fait, il y a le chiffre, à un moment donné, il y a ce chiffre de combien il y en a et comment cette population évolue dans le temps. D'accord. Ben, merci beaucoup, Verena Trenkel, d'avoir partagé votre travail avec nous.